Et le programme du Conseil de Sion a beaucoup aidé. D'ailleurs, il y a eu une controverse il n'y a pas tellement longtemps. Notre journal avait écrit des choses un peu dures là-dessus. Et, un des vice-présidents du mouvement patronal avait même menacé de me traduire en justice pour diffamation. Il n'a pas fait. Il vaut mieux pour lui parce que je ne crois pas qu'il serait sorti dans de bonnes conditions. Bon, bien, il a écrit un article en disant qu'il faut en finir avec le programme du CNR et avec la législation du mois de mai 1945. Comme ça. Ça veut dire qu'il y a eu une grande transformation, c'est vrai. Et si vous regardez, non pas dans le détail, mesure par mesure, mais si vous regardez la ligne générale du programme du Conseil de la Résistance, son caractère d'actualité n'a pas été modifié. Les questions qu'il pose, les solutions qu'il préconise, elles demeurent valables pour un pays qui est exsangue et qui veut sortir par le haut de l'écrasement, de la défaite et aussi surtout du déshonneur où il a été plongé. Et ce programme du CNR, vous allez nous parler de son contenu, mais on a dit, alors tout le monde a dit que c'était un programme qui était plus de gauche, qui était progressiste, ça c'est sûr, mais alors des gens disaient qu'il était révolutionnaire, tout le monde a dit un petit peu tout et son contraire sur ce programme. Vous avez raison. Des programmes dans l'histoire de France, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. C'est pas... Il y a eu, avant le programme du Conseil national de l'essence, il y avait eu le programme du Front populaire, mais il y en avait eu d'autres. Attends. Le programme du Conseil national de la résistance, ce n'est pas un programme de rupture. Il faut bien comprendre. Le programme du Front populaire, c'est un programme de rupture entre la France que M. Raffarin appelait d'en bas et la France d'en haut. Le programme de la résistance, c'est un programme d'union de toutes les forces patriotiques pour sortir la France des difficultés dans lesquelles l'a plongé la trahison de Pétain, la collaboration. C'est un programme d'espérance, mais pas de rupture. Alors qu'aujourd'hui, pour des raisons politiques d'ailleurs, certains disent on n'a pas fait assez, on doit faire plus, c'était trop à gauche, c'était trop à... Si vous reprenez la ligne générale, on ne peut pas dire c'est trop à gauche et c'est trop à droite. Ça correspond à ce que voulaient les résistants, que ça change. Et quand De Gaulle va faire son fameux discours du 3 novembre 1943, lors de l'inauguration de la séance inaugurale de l'Assemblée consultative, il va passer tout ça en revue, et le contenu de son discours est l'écho donné au contenu du programme de la résistance. On ne peut pas dire que De Gaulle est un gauchiste. Bon, c'est vrai, même chez nous, dans le cas de nos organisations, où le problème du programme du Conseil national de la résistance est un problème important, comme la bataille pour le 27 mai, etc., nous avons des gens qui voudraient en faire plus et dire il faudra en profiter pour condamner la politique de Sarkozy. Mais nous ne sommes pas une organisation politique, nous sommes une organisation de transmission de la mémoire. Ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce qui était si novateur, en fait, dans le contenu de ce programme? Qu'est-ce qui allait changer, en fait? Ah, c'est très important. C'est très important. C'est-à-dire que la France rentre chez elle. Les grands groupes qui se sont vautrés dans la collaboration vont être nationalisés. Les richesses de la France vont servir aux Français. L'électricité sera pour les Français. Le charbon sera pour les Français. Les transports seront pour les Français. Ça, c'est important. On va ouvrir toutes les possibilités de solidarité qui est à la base du programme du Conseil national de la résistance. À la fois sur le problème de la santé, la sécurité. Il faut penser que la sécurité sociale
est la fille du programme du Conseil national de la résistance. Or, aujourd'hui, personne ne voudrait revenir sur la sécurité sociale telle qu'elle existe. Si, peut-être, celui qui est millionnaire ou qui a des stock options qui lui permet de gagner 35 millions d'euros par an, celui-là, il s'en fout de la sécurité sociale. Mais regardez, dans les revendications, tout le monde tient, les vieux, les jeunes, tout le monde tient de la sécurité sociale. Ça a changé beaucoup de choses. Et ça a redonné de l'espoir. On a sorti la France dans des délais incroyables. La France, il n'y avait plus de chemin de fer, il n'y avait plus de rails, il n'y avait plus de locomotives, il n'y avait plus de wagons, etc. Dans un enthousiasme, les Français ont compris qu'il fallait sortir le pays tous ensemble et qu'il fallait s'unir. Mais au-delà, disons, de simples revendications politiciennes. Alors, il était aussi question de... Comme ces grands groupes industriels, ces banques avaient justement collaboré, il était aussi question du coup d'un partage des richesses plus équitable par le biais de ces nationalisations. C'est ce qu'on a fait. On peut dire que toute la législation de 1946-47, les grandes lois qui ont été votées en 1945-46-47, je sais, puisque j'étais député. Elles ont été votées en fonction des dispositions du Conseil national, du programme du Conseil national de la résistance. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard si, dans certains milieux, on remet en cause le contenu du programme de la résistance pour plaider en faveur d'un retour en arrière sur des valeurs qui ont été combattues et dépassées au temps de la résistance. Et justement, vous pensez que les valeurs du programme du CNR sont des valeurs qui gênent encore aujourd'hui certains groupes, certaines... Non. Non ? Non, ça les gêne dans la mesure où... Ça les gêne surtout quand on leur rappelle à certains de ces groupes qui sont mal conduits. Et peut-être que l'apostrophe de Gaulle en disant, quand il a reçu les représentants du Conseil du Patronat français dans son bureau de la rue de Lille, appelé à la Libération, « Monsieur, j'en ai pas vu beaucoup d'entre vous à Londres. » Peut-être que s'ils se rappellent ça, ça les gêne. Les mauvaises attitudes ou les mauvais actes, vous savez, quand on vous les rappelle, ça vous plaît pas, quoi. Mmh. Certain. Et d'après vous, la partie la plus importante, la partie vraiment... Bon, il y a deux parties dans le programme du CNR. Il y a la partie vraiment tournée vers l'action et vers la lutte contre l'occupant. Et puis après, il y a la partie progrès social, enfin la partie qui prépare l'après-libération. Quel est vraiment l'élément le plus important pour vous ? Ah ben, les deux éléments sont importants. La part numéro un, c'est la préparation de la bataille pour la libération de la France. Ça, c'est tout le dispositif. L'organisation de la bataille, ça c'est important. Parce que si ça n'est pas rempli, le reste ne viendra pas. On ne peut pas imaginer le programme du Conseil national sans le 1 et le 2 vont de pair. Ça c'est sûr. Mais c'est une longue préparation, à la fois sur le plan de l'organisation militaire, politique et tout ça. Le rôle que joueront les préfets de région, les comités départementaux de la libération... tout ça est défini d'une façon très précise et avec beaucoup de sérieux. Quoi. Et ce que j'aimerais bien comprendre aussi, c'est un programme qui est quand même assez important, avec des personnes aussi différentes que les personnes qui composaient le CNR. Il y a sûrement beaucoup de points qui ont dû être discutés. Comment est-ce que vous avez réussi à mener ça au bout ? Il y avait une règle qui a été définie lors de la constitution du Conseil national de la résistance. La règle, c'est on se met d'accord sur tout ce qui unit, on rejette tout ce qui divise. Tout ce qui n'était pas unificateur a été rejeté. Alors, je vais prendre des cas très concrets. Le vote des femmes, impossible d'en discuter. Il y avait une partie du Conseil national qui était tellement hostile que si on avait
mis au centre du débat le vote des femmes, ça aurait été repoussé. Bon. La laïcité, impossible d'en parler. Si on avait mis ça au vote, c'était repoussé. Mais ce n'était pas l'essentiel, dans l'immédiat. Ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'était d'organiser la bataille, d'amener les Français à se battre contre les Allemands et à les sortir de notre pays. Le problème colonial, on a dit, mais vous n'avez même pas réglé aborté le problème colonial. Non. On ne l'a pas abordé parce qu'il n'y avait pas de majorité. Donc là où on n'a pas eu de majorité, ça a été laissé de côté, volontairement. Parce que si c'était pour se battre, se diviser, ne rien faire, ce n'était pas la peine. Si vous aviez un CNR dont les branches, comment dirais-je, qui portent la vie au loin, quoi, sont des branches qui n'ont aucune sève, faut pas vous étonner que les petites branches en bois n'auront pas beaucoup de vie. Or, le CNR, je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas un super mouvement, ce n'est pas une super organisation. C'est la réunion des différentes parties qui constituent le Conseil national de résistance et qui définissent ensemble, non pas à une majorité telle qu'on pouvait l'éliminer en disant qu'il n'y avait pas de majorité, pas de vote, mais non. La véritable démocratie dans la résistance, c'était la démocratie de l'unanimité. Au-dessus, on ne pouvait rien faire. À quoi aurait servi que le CNR prenne des décisions et demande à ces comités départementaux qui en étaient les représentants de les appliquer si personne ne les appliquait? Il fallait donc être certain qu'à partir du moment où on mettait en discussion une question importante, qu'elle soit développée, adoptée. Mais si c'était pour la rejeter, si on n'était pas d'accord sur le droit des femmes, le droit électoral des femmes, sur la laïcité, sur des choses comme ça, ça ne servait à rien d'ouvrir des débats pour arriver à montrer qu'on était incapable. On ne pouvait pas. Il n'y avait pas de majorité parce qu'il y avait, n'oubliez pas que l'opinion publique, à cette époque-là, restait largement traversée de courants idéologiques différents. Vous n'auriez jamais obtenu des mouvements chrétiens ou d'origine chrétienne un certain nombre de décisions concernant la laïcité. Et moi, j'ai entendu, même quand on a abordé le problème du vote des femmes, j'ai entendu un membre du CNR dire « on ne va tout de même pas faire voter les curés ». Il y avait cette mentalité. C'était long. En 1940, début 1943, au tout début, il y avait un mouvement de résistance qui a été représenté au CNR comme mouvement de résistance, retenu comme mouvement de résistance. Il publie une brochure. Nous tombons par hasard sur cette brochure. C'était une approbation de la politique raciste de Pétain. De Pétain. On a dit à leurs dirigeants qu'on a rencontrés, si vous ne cessez pas, c'est la rupture avec nous, et puis vous allez vous faire foutre, ça veut dire ça. Parce qu'il y avait des gens qui étaient résistants. N'oubliez pas que, quels sont les fondements du résistant? Pourquoi on est devenu résistant? C'est une question importante qu'on se pose. On n'est pas devenu résistant pour le plaisir de devenir résistant. Moi, je ne me suis pas réveillé un matin en disant « Est-ce que je peux adhérer à la résistance? Vous connaissez le bureau de recrutement ?» Non. La résistance, ce n'est pas une armée avec des bureaux de recrutement, des adjudants, des officiers, etc. Non. C'est une fabrication tout à fait spécifique. C'est sans doute le seul exemple qui existait dans l'histoire de notre pays, je veux dire, la résistance, et dans d'autres pays d'Europe. Ce sont des expériences sui generis, spécifiques. On était bien obligé de faire avec.
Mais ça a été long. Ça a été un débat qui s'est poursuivi pendant 3-4 ans, avec des moments de rupture, sans aller jusqu'à la rupture, toujours aller au maximum sans casser. C'est pas toujours facile. C'est plus facile de voter une résolution en disant qu'elle a été votée par 34 voix contre 33, alors que ni les 34 ni les 33 ne font quoi que ce soit pour la mettre en œuvre. Le souci des résistances, c'était que les décisions qui étaient prises et qui engageaient la bataille du peuple étaient respectées, étaient des décisions qui étaient sérieuses. Il fallait qu'elles soient efficaces sur le terrain. Voilà. Ben voilà. Bien entendu que ça n'a pas toujours été clair. Je me souviens, par exemple, la constitution du Comité parisien de libération. Bon, Londres pensait que son président n'était pas le bienvenu, parce que c'était Tollet, qui venait des syndicats et qui était communiste, qui était un excellent président d'ailleurs, qui a même été un maire de Paris à la Libération, excellent. Mais il y a des gens qui n'aimaient pas les communistes, donc aussi bien à Londres qu'en France d'ailleurs. Mais on ne pouvait pas faire autrement, parce que la plupart des forces dans la région parisienne étaient communistes. Mais ailleurs, elles étaient socialistes, j'en sais rien, chrétiennes. Il fallait bien tenir compte de ce que représentaient les gens. C'est ça, la résistance. Je réfléchis un petit peu à deux questions. J'en ai encore quelques-unes à vous poser. Non, laisse tourner. Au niveau du son, pour toi, c'est ça qui m'importe un peu. C'est bruyant. C'est bruyant à ce niveau-là. C'est bruyant partout, quoi. Ouais. Un moment, quoi. C'est pas tout le temps, mais c'est... Il y a quoi comme bruit? Il faut peut-être que tu fasses attention quand tu tournes les feuilles, Yves, s'il te plaît. Je sais pas si tu l'entends. C'est les travaux qui reprennent. C'est les travaux, ouais. C'est un petit peu de piano, c'est un petit peu d'enfant. Qui descendent en courant. Voilà. Mais c'est pas tout le temps, c'est pas un moment. C'est assez lointain, ça reste... Ça dépend. D'accord. Ça dépend. Bon. On va essayer de continuer, j'espère qu'on va pas avoir trop de travaux qui reprennent. Il y a juste eu un moment, un coup de chignol, un petit travaux, peu. Travaux, c'est vraiment le pire, quoi. Ouais. Le truc, à la limite, c'est pas... Il peut y avoir des enfants. D'accord. Il y a des enfants en dessous, oui. Ils font du boucan. Hein. On le sait. Vous en aurez la preuve. Oui, on le sait. Ben, ce sont des enfants, sans parents. Ce sont des parents qui ont des grosses situations, qui ne sont pas ici. Les enfants sont surveillés par une nounou, mais ce n'est pas des parents. Hein. La nounou fait ce qu'elle peut, mais les gosses, ils ont transformé l'appartement. Vraiment. En terrain de sport. Hein. Alors, comme il n'y a pas de tapis chez eux, sur les pavés, le parquet, ça tape, hein. Comme vous étiez vraiment au cœur justement de ces organisations de résistants, puis de la communication, je pense, entre les membres du CNR, est-ce que ce mode de décision, justement, c'est-à-dire vouloir prendre toutes les décisions à l'unanimité, est-ce que ça ne rendait pas justement